Eh bien, bonjour à tous, c'est Toxer, amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 55. Et là, je me trompe pas, comme l'épisode précédent, je me suis trompé bêtement. J'ai dit épisode 53, alors que non, c'était bien l'épisode 54. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de feedback, il n'y a pas eu de marche arrière. On est toujours présent. Donc écoutez les amis, aujourd'hui on va essayer de passer niveau 56, tout en faisant de la quête, tout simplement de la petite quêtouille, comme on aime. Et on va tout de suite donc se rendre dans cette grotte auquel on devait se rendre par le passé. Et je suis encore en JCJ, hein, parce que j'avais fait du BG dans la vidéo précédente. Donc par contre je pourrais pas répondre à vos commentaires parce que je tourne la vidéo... même pas une journée après avoir fait cette DBG, donc je l'ai toujours pas posté, enfin c'est tout un micmac, pas possible quoi. Mais au moins j'enchaîne les vidéos, ça me fait plaisir de retrouver Oxor TV, si ça veut pas trop laguer. Et moi ça me fait également vraiment super plaisir de vous retrouver mes abonnés, hein. on est plus de 2000 abonnés, ça me fait, franchement je suis content. Franchement je suis super heureux sans vous le cacher. J'ai pas fait de vidéo spéciale, tout simplement parce que je trouve que c'est 2000, c'est honorable j'ai envie de dire. Mais faut pas non plus partir dans des délires un petit peu abracadabra. Je vais descendre un tout petit peu la résolution du jeu pour éviter que ça lagote trop. Donc voilà, hein, c'est 2000 abonnés. C'est bien, je suis content. Je suis vraiment très fier d'arriver à 2000 abonnés. C'est pour moi, c'est un palier en plus réalisé grâce à vous. Ça, c'est sûr. Par contre, je voulais juste vous dire un petit truc. Donc j'ai changé ma disposition de mon micro, donc j'ai investi dans un pied, c'est un pied qui m'a coûté une quinzaine d'euros, c'est un petit peu de merde hein, pour vous dire, franchement, je suis un peu déçu, j'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu plus, avoir de la meilleure qualité, mais bon, voilà, j'ai investi là-dedans quand même, il m'a coûté une quinzaine d'euros, donc ça va encore, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. Surtout ce que je vais vous dire, bon voilà, j'espère que le micro est un peu plus éloigné que d'habitude. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que je suis audible. Veuillez d'ailleurs me le dire hein, dans les commentaires si vous entendez bien ce que je dis, si c'est toujours aussi clair, si le volume est assez bon. Donc voilà, alors on va rentrer dans cette sorte de grotte aménagée, hein, si j'ose dire. Aménagée par ces voyous, j'ai envie de les appeler comme ça, ces voyous. Par contre j'espère que vous entendez pas trop quand je tape sur mes touches, parce que ça pourrait être un petit peu gênant également. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais je suis juste en dessous finalement, hop, niveau 56, je suis juste en dessous de mon clavier. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop, sinon je vais bien voir au rendu, hein, mais dans tous les cas, ça sera trop tard. Allez, c'est parti dans cette grotte. Donc, je pense qu'on va faire ça comme ça, je pense que... On en a encore bien pour 4 épisodes, je pense, en comptant celui-ci. Où on va rester encore dans le royaume de l'Est. Je m'explique. Niveau 58, donc on est 56, donc dans deux niveaux, on va bouger. On va tout simplement aller en Outre-Terre. Ça va être fat. Ça va être énorme, ça va être bougrement bien. On va vraiment s'amuser là-bas, vous allez voir, je pense qu'on va vraiment taper de bons délires. Mais il faudra encore patienter un tout petit peu, les amis. Cette région Honor 2. Heureusement je suis plus en CD. Honor 2 qui va me faire chier. Donc ça va être... Je sais que cette région, on va vraiment y rester un petit moment. Ça va peut-être vous embêter un petit peu. Moi le premier, hein, j'aime pas tellement rester toujours dans la même raison. Dans la même région, pardon. Vous savez très bien, j'aime bien changer un petit peu. Donc ce qui fait que pour l'instant c'est un petit peu mort, on va dire. Mais bon, encore 4 épisodes. En plus, vous allez voir que dans cette région, les décors varient quand même. Donc, il n'y a pas non plus, c'est pas non plus toujours le même. Même si pour l'instant, c'est vrai, on a eu souvent ce même genre de truc. Après, pourquoi pas faire un épisode encore dans un donjon. Entre. Ouais, ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas un épisode donjon. Le prochain, ça sera un épisode donjon. Écoutez, on va faire ça comme ça. Je le sens plutôt bien. Prochain épisode, ça sera un donjon. Ça sera le 56 si je m'abuse. Comme ça au moins on passera un peu plus rapidement cette région, on restera pas trop au même endroit. Et ça fera plaisir à tout le monde. Parce que vous êtes nombreux à me demander des donjons, vous êtes beaucoup beaucoup beaucoup. Et je tiens déjà à respecter mes abonnés et vous donner du contenu. Donc ça sera chose faite, rassurez-vous.
Et maintenant qu'on s'en sera vu hein, dans cette grotte pour aller valider vers Karim, Kassim, pardon. Il a un tout petit lit. Tout petit, c'est pour sa taille. Allez, hop, on valide. Ouh là là, mais pas mal, là. En point d'expérience, c'est pas mal, c'est sympa. Ok. Je pense que c'est là-bas, la pierre. Il me semble. Voilà. Ensuite, il faut faire c'est l'extérieur. En fait, ça sera une téléportation, si vous voulez. Pour éviter de se taper ben, tous les mobs. Et ben à l'extérieur, il y en a une. On clique dessus, puis on rentre. Hop, ici, direct. Super, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit peu comme un ascenseur, finalement. Ça évite de prendre l'escalier. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce système-là. Même si, bon, ça nous bouffe un petit peu de pecs, finalement. Mais bon. La quête est là pour rattraper, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'il est? Il me semble qu'il est là, voilà. Il me disait bien. Je connais presque par cœur, hein, vous inquiétez pas, on va pas m'avoir comme ça. Voilà. Je me suis fait téléporter dedans, donc c'est ce qui est tout à fait normal. Hop. Et je valide et je prends ces deux quêtes, bien sûr. Ces deux quêtes qui me demandent d'aller taper du sanglier, il me semble. Non, même pas, du yen, tout court. Faut aller taper du yen. Bon, je vais reprendre la téléportation, hein, ça serait un petit peu bête de passer à côté. Hop. Impeccable. Et ben on est parti les amis. Hein, on est parti pour taper de la bête sauvage. Donc c'est vrai que dans l'épisode 54, j'ai pas été top en BG. Hein, je tiens à m'excuser. Je suis vraiment pas bon. Après vous en voulez du BG, ben je vous en donne, hein, pas de soucis. Hein, mais vous pouvez voir mon niveau qui est infâme. Hein, je suis pas bon du tout. Après c'est vous qui voyez. C'est vrai que j'étais pas utilisé le bon sort, j'aurais peut-être mieux dû gérer. J'étais un petit peu paniqué finalement. Pique cela, hein. Putain. J'espère que c'est à 100% le loot, comme ça au moins on est tranquille, on n'a pas à s'ennuyer à tuer tous les monstres pour looter un pauvre machin. Peut-être que je me soigne un coup, ce serait bien. En tout cas, ces sangliers commencent un petit peu à me peser. Parce qu'ils se transforment à chaque fois, je me suis déjà fait un dans les autres précédents. Ah, et puis c'est pas à 100%. Oh là là, ça j'aime pas, les amis. Ça j'aime pas du tout quand c'est pas à 100%. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. C'est chiant, c'est. Ce genre de quête. Encore heureux, c'est une quête. Voilà, ça c'est pas dit que je la fasse en entier. Hein. Si, franchement, si je finis celle-là avant, je verrai si je finis l'autre. Hein, parce que. Ça va être long, les sangliers. J'en ai bien peur. Il en faut 5, je me dirais, c'est pas beaucoup, mais bon. Quand on sait que ça loot à 1% ou à 2% parfois, c'est pas la peine quoi. Autant aller fermer les liens pour Thunder Fury quoi. Ce qui est bien avec les basiliques là, c'est que ça loot à 100%. On se prend pas la tête. On va se faire un petit heal. On va choper le sanglier en plus de celui-ci. Hop. Voilà, comme ça on en a deux. Ça nous permet de pouvoir faire deux mobs en même temps, c'est plus tranquille. On a l'impression de roxer du bulbe, mais en fait c'est pas le cas. Tellement c'est cheaté. Allez, tu vas mourir. Regarde Pierre, il m'a fait d'accord. Ok, faut pas que je reste devant, sinon ça me fait mobiliser. Moi, toujours rien sur les sangliers, il commence à me faire chier. Je vais me refaire ces deux-là. Hop, je vais attendre un petit peu avant de l'aggro l'autre. Ça c'est fait, on a les deux. Par contre, si ce sanglier là il loot pas, j'arrête les sangliers. Hein. Personnellement, j'en ferai ceux qui sont sur mon chemin, mais sans vraiment trop y croire. Ça fera quand même beaucoup, ça fera quand même 3 ou 4 sangliers tués sans rien. Voilà, faut pas pousser mémé dans les orties, on n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Je sais que vous attendez toujours cette phrase, tu sais que. Bon nombre d'entre vous, ah j'ai lu un truc. Bon nombre d'entre vous attendent à chaque fois que je dis cette expression qui est devenue légendaire désormais. J'ai envie de dire sur ma chaîne c'est mon expression favorite. Peut-être même en faire un slogan, ça continue. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire à quel point vous aimez cette expression. Moi je l'aime beaucoup, hein, ça me fait beaucoup rire. Quand j'ai entendu la première fois j'étais un petit peu fou. Donc voilà. Non mais ça fait plaisir que au moins vous retenez quelque chose de moi. Et que il restera peut-être quelque chose de vous dans quelques années, dans des dizaines d'années, vous raconterez à vos enfants. Oh, je m'en rappelle.
dès l'avant, quand je regardais Oxor TV, il disait « On n'est pas là pour beurrer les sandwichs, on est du... » Donc voilà, j'espère que... Pardonnez-moi pour cette piètre imitation, veuillez m'excuser. Par contre, peut-être que je me soigne un petit coup, je sais pas ce que vous en pensez, ça serait un petit peu cool quand même. Bon, ça sert à rien, c'est un éclair, il est mort. Hop. Ouais, ça loot pas beaucoup. Voilà, je suis désolé pour cette piètre imitation que j'ai pu faire un petit peu avant. Mais en tout cas, ça me fait plaisir si vous pouvez déjà retenir cela de moi. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Au moins que je puisse vous laisser quelque chose derrière moi. Que quand, peut-être dans 50 ans, 60 ans, des gens regarderont ces vidéos sur YouTube, peut-être, on ne sait pas. Et bien, ils diront, ah, il y a Oxor qui disait ça. C'était bien. Bon, après, je suis pas non plus... le youtubeur le plus connu de internet, loin de là, sans je le demanderai sans doute jamais, ce qui m'importe vraiment très peu, je veux dire franchement. Je préfère rester tel quel que devenir une méga giga fan, enfin méga giga superstar de YouTube, ça m'intéresse vraiment pas du tout d'être spammé H24. Déjà, je reçois déjà beaucoup de messages, ça me fait plaisir de recevoir des messages, rassurez-vous. Mais imaginez-vous en recevoir plus de 100 toutes les secondes, c'est pas la peine quoi, je pense que moi je craque au bout d'un moment quoi. Ouais, moi ce qui me ferait plaisir c'est de taper de la hyène maintenant. Parce que les basiliques c'est fait. Je suis coincé dans un os quoi. Les basiliques c'est fait, par contre les hyènes, il n'y a pas tellement beaucoup. Hein. Ils sont partis, ils sont en vacances. Oula, il a pris cher, à mon avis. Oh, un truc de sanglier. Bon, on va continuer, il en reste plus que 3. Ils sont là. Enfin, elles sont là, plutôt. Je pense qu'on dit elles pour les hyènes. Même si c'est un mâle. Ou peut-être un hyène, plutôt. Je sais pas du tout. Ça m'intéresse de savoir, si vous savez. Faites-le moi savoir. Je suis très intéressé à ce niveau-là. Point de vue culturel, hein, bien sûr. Vous m'avez bumpé? Bah moi, je vous bump aussi. Y a quoi? C'est quoi le problème? Toujours un petit peu la gorge prise, hein, votre cher Oxor. C'est énervant, hein. Ces temps-ci, je traîne une vieille maladie. Ça fait ça va bientôt faire un mois que je la traîne. Ça commence un petit peu à faire. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à me balancer des sujets. Je suis en train d'y penser, mais si vous avez des sujets sur quoi vous voulez parler, pour l'instant, j'ai toujours pas fait de sélection. Que ça pourrait être sympa qu'on puisse choisir un petit sujet. Même si c'est pas un sujet d'actualité, enfin si, ça serait quand même mieux que ce soit un sujet d'actualité, si vous voulez parler par exemple, pourquoi pas, de la viande de bœuf qui finalement est du cheval. Pourquoi pas. Donc si vous voulez on peut parler de ça maintenant, parce que j'ai un petit peu mon idée là-dessus, je sais pas si ça peut vous intéresser, sûrement pas, mais peut-être que, avoir mon idée à moi, même si je sais pas le centre du monde, hein, mais avoir mon idée à moi, peut-être que ça pourrait vous éclaircir quelques petites choses. Donc moi ce que je pense de cette crise finalement du cheval, c'est que il y a d'un côté les gens qui disent ouais mais bon ok, ils disent que c'est du bœuf mais c'est du cheval, mais le cheval c'est très bon. Oui c'est le cheval c'est bon, le cheval c'est une viande un peu dure, je n'ai déjà mangé. Par contre c'est une viande un peu dure, certes, un peu plus dure que le bœuf, mais c'est goûtu, c'est une très bonne viande également, le cheval ça se mange tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que cette viande de cheval, elle vient de Roumanie, principalement. Et sachez qu'en Roumanie, c'est pas là-bas que vous allez trouver les plus beaux chevaux. C'est-à-dire les étalons de je sais pas combien on peut bouffer, peut-être entre 4 et 10 ans à la limite. Les bons chevaux qui sont vraiment en pleine forme et tout, qu'on peut bouffer, quoi. Qui sont, voilà, comme les bœufs, quoi. On va pas bouffer un bœuf de 40 ans, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais en fait, là-bas en Roumanie, le problème c'est que les chevaux qu'on bouffe en ce moment, dans nos gratins, etc., dans nos pâtes, etc., le problème c'est que c'est des chevaux qui ont plus de 40 ans. Donc c'est de la merde comme viande, c'est un truc de fou, c'est dégueulasse. Donc moi je trouve qu'ils sont vraiment de gueule dans le monde de l'industrie ces temps-ci, surtout au point de vue de l'Europe, parce que c'est un peu là où on se situe quoi finalement. Ils sont vraiment foutus de notre gueule, ils nous proposent vraiment de la bouffe de merde, c'est vraiment le truc. Ben voilà, on est obligé de bouffer, on est obligé de manger pour survivre finalement, à part si vous faites votre petit jardin.
Mais bon, il faut quand même manger de la viande, donc à part aller acheter votre viande peut-être chez le boucher du coin, où vous savez d'où elle vient, etc. etc. Et ben les gens comme moi par exemple qui achètent pas mal de trucs déjà tout fait, des cannelloni, des lasagnes, etc. Ben, on a bouffé du cheval, très certainement, c'est quasiment sûr même. Et on en bouffera encore. Ouais, on en bouffera encore parce que sur Terre on est devenu un petit peu... on bouffe un peu trop de viande finalement. Il faudrait peut-être calmer un petit peu cette ardeur de manger de la viande. Peut-être manger un peu plus de poisson, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est une crise qui est... Franchement, je trouve que c'est pas vraiment à prendre à la légère. C'est vraiment, vraiment, vraiment important d'un point de vue sanitaire déjà. Parce qu'on sait pas trop ce qu'on mange finalement. Imaginez, en fait, quand vous allez au McDo, vous demandez un hamburger, c'est du bœuf normalement. Mais en fait, peut-être que c'est même pas le cas. Ça se trouve, c'est du cheval ou du poney ou on sait pas quoi. Et pareil, ça se trouve, il nous ment. Ça se trouve, même le poisson, peut-être que ça se trouve, on bouffe du dauphin. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'on bouffe de la merde comme poisson. Et même, c'est quasiment sûr qu'on bouffe de la merde comme poisson. Après, voilà. Après, on peut pas tout savoir, il faut continuer à manger. Et on n'a vraiment pas le choix, de toute façon, on est un petit peu. Excusez-moi de prendre cette expression, on a un petit peu les couilles prises, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. On est un petit peu pris en sandwich par la société de consommation actuelle. Et bien, on subit, puis voilà, tranquillement. Petit poisson subit la force du plus gros. Donc voilà, c'était mon petit point, mon petit coup de gueule sur cette crise du cheval. Certes, il y a des pauvres Africains qui... Même pas, il y a même d'autres pays que l'Afrique. Et certains pays, il y a des gens qui meurent de faim. Et nous, on va parler de ça, de cette crise. Non, on peut pas manger de machin, c'est pas bon et tout. Mais il faut savoir que c'est pas vraiment bon pour la santé. On chope des merdes avec toutes ces saloperies. Le cheval qui a 40 balais, on va le bouffer. Pardonne-moi du peu, mais bon, c'est dégueulasse, quoi, voilà. Donc certes, on fait polémique sur ce genre d'affaires, alors que certains dans leur pays crèvent de faim. Nous on est là à dire ouais, on bouffe du cheval et tout, mais c'est vrai que c'est pas non plus super super sain, surtout venant de pays comme le nôtre, de pays qui se veulent un petit peu les dignitaires en termes de bonne bouffe. Finalement ils nous refilent de la merde, quoi. Donc, c'est un petit peu mon coup de gueule. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et des coups de gueule comme ça, j'en ai régulièrement donné. Généralement, je les mets sur Twitter, pour ceux qui me suivent. Sur Facebook, généralement aussi. Ça peut être sympa de parler de phénomènes d'actualité, pardon. Moi, je suis quelqu'un qui suit beaucoup les informations. Je pense que ça peut être pas mal également, tout en regardant un jeu vidéo, de se cultiver également. Même si, comme je dis, encore une fois, je suis pas un professionnel dans la matière. Je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout sur tout. Vous pouvez également m'apprendre des choses, c'est tout à fait possible. Et même ça, vous m'avez déjà appris des choses, donc je vous en remercie. Et si ça peut être donnant, écoutez, ça peut être pas plus mal. Voilà l'idée de cette quête qui sert strictement à rien, ça me spammera pas le sac comme ça. Le fantôme. C'est vrai que j'ai une monture. Ça devrait peut-être l'utiliser, ça serait sympa. Sanglier, on va te bouffer. Parce que moi j'aime bien le sanglier. C'est un petit peu comme dans Astérix Obélix. C'est un petit peu comme Obélix. J'aime bien bouffer du sanglier. C'est très bon. C'est un petit peu de marron chaud et un petit peu de pomme. Pomme cuite au four. C'est super bon. Je conseille. Allez, on va valider tout ça. J'ai terminé les deux quêtes. Puis on approche déjà, mes amis, de la fin de cet épisode. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, savoir si vous avez aimé cet épisode, savoir si vous avez aimé ma petite critique et tout sur la viande de cheval, savoir si vous m'entendez bien également dans le micro, et n'hésitez pas à mettre le petit pouce vert, parce qu'ils sont redevenus verts, il me semble, et n'hésitez pas non plus à mettre cette vidéo en favori, à la partager sur vos réseaux sociaux, histoire de continuer à faire tourner le phénomène Oxor. Ça me fait vraiment super plaisir d'être en votre compagnie. Je sais que j'ai des abonnés qui sont vraiment présents pour moi. Et moi, je suis présent également pour eux. Je pense que c'est donnant-donnant. Je pense que tant que ça reste réciproque entre nous, tout se passera bien. On va aller prendre le cristal de téléportation. Hop. Kassim nous attend pour valider. Voilà. Valide avec Kassim.
Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, on va prendre ça. Pas la Cassim. Ah bah, enfin, rituel, écoutez. Voilà, rituel terminé. Ça en est bien. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouh là là, il nous fait un cercle de feu autour de nous, là. Oh, c'était court, dis donc. Amulette. Trouver trois amulettes, j'ai l'impression. De toute façon, les amis, je vais prendre le portail. On va se diriger vers le fort. Le petit fort. Il y en a beaucoup qui me demandent d'où j'ai ces montures. Ben, tout simplement parce que maintenant les montures sont liées au compte Battle.net. Donc on a toutes les montures sur tous les personnages. C'est ce qui fait le point fort de reroll maintenant. Super sympathique de toujours se balader avec des nouvelles montures. Surtout qu'on en a beaucoup comme moi. Et puis voilà, ben, les amis, on va se laisser au rempart du néant. Le prochain épisode sera un épisode en donjon, si tout va bien. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. Allez, salut tout le monde, bye bye.